C'était une fois, dans un couloir sombre, un petit enfant. Ce petit enfant, à l'époque, avait un imper jaune. Mais maintenant... Ça, c'est moi. Je me rapproche de vous. C'est moi, Bob. Oui. Et ça, c'est mon pote à côté, Vendredi. Fais coucou à la caméra. Je crois qu'il s'est enrouvé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Viens avec moi, parce que tu fais que des conneries. Où on est? J'en sais rien. On a eu quelques aventures, en fait. Et avant de retrouver Vendredi, qui a probablement un autre nom, qui se présentait pas comme ça au début, il nous est arrivé plein de choses. Des choses assez... Alors, vous avez pas envie de savoir, puis de toute façon, vous avez déjà les épisodes publiés pour savoir, hein, je vais pas tout résumer à chaque fois. Mais croyez-moi, on en a bavé, quoi. Et étrangement, mon petit doigt... Oui, celui qui est à l'extrême extérieur de la main me souffle, je l'entends, hein. Bonjour, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Non mais vraiment. Pourquoi je vais voir alors qu'on n'est pas sorti de l'auberge? Oh, une personne en fauteuil roulant, c'est pas dangereux, au début. Alors ça, c'est les gars qui sont jamais pris un coup de palette au niveau de la cheville. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Ça fait super mal. Hop, pépette. J'ai comme l'impression qu'ils ont pensé à moi quand ils ont fait ce niveau. Ouais, non, mais vas-y. Vas-y sans moi, je gère. Non. Non. Pourquoi? Je t'avais dit. Les gens ne m'écoutent pas. Vas-y, moi je reste là. Faut y aller. Les trucs ordinateurs, j'aime pas les gars. Faut pas me faire ça dans les jeux. Ni dans la vraie vie, ni dans les jeux. Prendre l'élan et saute, hein, je cherche pas à comprendre. Saute juste à temps, ce serait bien. Si je vais vomir, certainement. Ouais. Attends-moi. C'est là-bas qu'on va? Non, bah je veux pas y aller. Alors c'est rigolo, ce passage me rappelle étrangement... Oh purée, Inside. Oui, Inside, un autre liner assez fabuleux, qui vous mange bien la tête, et sur lequel j'ai pris du plaisir et de la douleur aussi. Il y a un côté bondage à ces jeux. Oh putain, c'était limite. Monsieur K, beaucoup de cinéma. Je vous y verrai bien à ma place. Faut pas toucher ça, je présume. Ah, j'ai bien présumé. Non, mais s'il est là pour être enlevé, c'est qu'il est là pour être enlevé. C'est quoi? On va l'emmener avec nous. Ça nous fera une petite lampe. C'est sympa une petite lampe, surtout quand c'est obscur. Et humide. Et glauque.
Et plein de créatures plutôt. On n'a pas trop envie de savoir. On va allumer celui-là, ce sera mieux. Vas-y, je te laisse y aller. Ouais. Pile comme j'aime. Super. Du coup, on fait quoi? J'y vais moi ou... Oups. Oups, oups. Attends, 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 on va prendre celui-là vite. Viens, m'aider. Magne. Cauchemardo. Maintenant, on va passer dans le rêve idéal où tout est beau, tout est grand, tout est chou. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre cette lampe parce qu'il va y avoir des trucs. Ah. Alors, on peut orienter la lumière de la lampe. Avec le stick droit. Et je pense ils vont être généreux en piège et autres attrape-niveaux. Non, il n'y a pas de piège en hauteur cette fois, c'est étrange. On va suivre les traces de sang, c'est toujours rassurant. Qu'est-ce que quoi? Il n'y a pas de passage là, si. Ah. Est-ce qu'on y va? Brody, t'en penses quoi? Oh, je te cause. Je t'éclairerai la gueule tant que t'auras pas répondu. Bah, t'es muet, ok. On va aller voir quand même. Hein, ça évitera de revenir, tout ça, pas d'un coup fin. On pourrait aller là-haut. Ou là. Attends, attends, là j'ai vu un. Ah, pas dans la gueule. Ça sent le piège avec. On aurait pu aller au fond de l'écran, ça m'avait l'air plus cool. Tu veux qu'on aille là? Hein, Drody? J'ai fini de jouer avec ma lampe. Alors les viewers, vous allez avouer? On va pas au fond, hein, c'est quand même... Bon, on va y aller au fond, je pense. Parce que cette porte, elle va pas vouloir. Drody, viens-moi. Viens, viens, viens. Je vais te faire voir un truc. Ça va super te faire rigoler. Tu veux pas m'aider à l'ouvrir celle-là des fois? Brody? Ouais, là, on devrait pas y aller, mais c'est pas grave. Ta-da-da-da-da. Ce distributeur a besoin d'être vidangé. Oui, on en prend plusieurs, c'est mieux. Prends-en une, je te recommande. Hein. Après, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Moi, j'ai la mienne. Je te la filerai pas après. Hein. Bon, Drody, j'ai un blème. Je vise comme une merde. Le bouton est trop haut. Il y a un truc. Faudrait que je monte sur tes épaules. Je suis sûr que tu vises mieux que moi. Tiens, prends-la. Non, je te la donne, j'ai changé d'avis. En plus, elle est assortie à ton imper magnifique. Oh, tu me... Était-ce une bonne idée? Alors ça, vous le saurez au prochain épisode. Comment ça, je vais pas même mettre un cliffhanger après 9 minutes de jeu seulement? Je vais me gêner. Non, je suis pas prêt à ce point. Hop, 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 hop.
une fois un petit enfant qui avait des sensations de déjà-vu. Il ignorait totalement qu'au bout de... Ah, vous y avez cru? Oui, moi aussi. Ça va? Rien de cassé? Alors, qu'est-ce qui se passe de beau ici? Oh, on est à Prothesland, c'est ça? J'en ai l'impression, c'est étrange. Regarde ces lumières rouges qui nous appellent tout là-haut, là-haut. Est-ce qu'on peut jouer avec les fauteuils tant qu'à faire? C'est rigolo? Non? C'est pas des jouets les fauteuils. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas? Ah, faut que je trouve deux nouveaux fusibles, c'est ça? Oui, c'est ça. Le fusible 1 que je vous présente ici et le fusible 2 que je vous présente là. Faute de quoi, cette manette, bobinette, tout ça, chora, pot de balle. On est d'accord. Il y a donc un fusible à droite et un fusible à gauche. Pour ça, ça va pas être compliqué. C'est ce qui, c'est la manière d'y accéder qui va l'être. Une clé à trouver. Ça va, vendredi, tu suis? Ok, tu me dis hein, si c'est trop compliqué pour toi. Je peux utiliser des mots plus simples. Trouver clé pour... Ouf, foutu les fois. Pour ouvrir porte, pour trouver deuxième fusible. Puisque là, on va tomber sur le premier, c'est évident. Hein? Quoi? Comment? Non, on va pas revenir tout en arrière chercher des fusibles, les gars. Ça se fait pas, ça. J'ai dû passer devant quelque chose que j'ai complètement zappé. Monsieur? Monsieur? Je peux te... Eh, je crois qu'il est sourd comme un poule aussi. Eh, bon, ok. On peut mettre des bouteilles à la place des fusibles, ça se fait. Hein. Ah, moi j'ai vu ça dans des pays africains où c'est très répandu. L'appareil marche toujours pas à la fin, mais quelle classe. Attention en dessous. Fille de merde. Bon, vendredi, on va redescendre parce que là, t'as bien compris comme moi, quoi. T'en as vu, toi, des fusibles? Non. T'en as dans tes poches? Non. Suis-moi. Attends, il y a peut-être un truc qu'on a raté là parce que j'ai la lampe de poche et je m'en suis pas servi. Oui, j'avais un peu oublié cette nouveauté inédite, nouvelle et... qui va me permettre de voir dans le noir que, si ça se trouve, le fusible était déjà là. Non, nous mourons fusibles. Run, run, run. Ça n'est pas un, ça? Ça ressemble, hein? Je suis sûr que ça rentre, là. Oui, le truc, c'est de leurrer la machine. Bon, on y va. Ah, fallait pas faire de bruit! Snip, snip, snip. Fusible, pas fusible. Fusible, pas fusible. Bandage, bandage, pas fusible. Donc ça doit être tout en bas. Et il en faut 3, hein. Pardon. Rondi, ce que je vais faire, je te laisse là. Moi, je vais chercher les fusibles. Toi, tu prépares à bouffer pendant ce temps, parce que ça fait depuis le début du jeu qu'on n'a pas mangé. Et t'as vu comment on cavale? Ouais. C'est un peu annoying. Il y a un truc, là. Ah, mais il y a une porte à droite qu'on n'a pas été voir, buddy. Buddy, buddy, buddy. Hop. Discrétion, toujours. Ça sent le bonheur. La salle des rayons X. Avec le nounours avec une clé dans le bide. Donc faut que je trouve un nounours pour avoir ma clé. Ça va être drôle. Tu veux passer dans la machine à rayons X? Vas-y. Reste là, reste là, reste là. On va faire un truc marrant. Oh, t'as pas de fun toi. Ça va, t'as pas mal? À moi d'essayer. Ah bah oui, les mômes, c'est fait pour faire les cons, hein. Sinon y'a aucun... Et je
Je sais pas à quoi ça sert tout de suite. Alors ça se trouve, il y a une salle pleine de nounours et va falloir qu'on trouve le bon dans lequel il y a une clé. Oh, à mon avis, c'est quand même ceux qu'ils ont posé là-haut. Oui, on va prendre Monsieur Lapin, mais c'est Monsieur Nounours qui est au milieu. Tu viens avec moi? On va les scanner, parce que c'est rigolo, ça me rappelle Total Recall. Si Monsieur K aime bien faire le con dans les jeux, mais carrément. Putain, il y a un bout de hache dans celui-là. C'est pas mal ce que t'as, man. C'est pas mal, garde-le bien. Il me plaît ton truc là. J'allais te le shipper, mais tu t'as l'air d'y tenir. Moi, je vais ramasser Nounours. Oh, fait en courant celui-là. Putain, il pue, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ah, je crois qu'il y a. Ah non, je vais pas détailler, c'est horrible. Monsieur Lapin, je suis désolé, tu es viré. Ah bah oui, maintenant c'est. Pousse-toi. Pousse-toi, je te dis. Mais tu dégages. Monsieur Nounours, c'est lui la star. Tu veux rester? Bah reste, hein, ça te plaît. Ouais, j'ai vu que t'avais un bout de hache, mais comment dire? On n'a pas tout récupéré, je crois. Monsieur Lapin 2. Il y aura peut-être un manche dedans. Non, j'ai peut-être un peu trop collé sur la vitre. Monsieur Lapin. Ah. À côté de Monsieur Nounours, tu seras très bien. Ah. Non, mais reste là. Pardon. Désolé. Ah, The Key. The Key is in the rabbit. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Bon, bah, allez, refais-le. Oh. Faut que je trouve le manche pour la hache. Le crayon, ça ira, non? Regarde. Non? Mouah. Ouh, c'était bien tenté, ça. Je vais farfouiller un peu, hein, tu m'en veux pas. Non! Non! Il insiste, hein, le gourou. Qu'est-ce qui pourrait nous servir de manche ou d'ouvre machin? Mieux. Je vais tout foutre en bas. Hein. Bah oui, je suis comme ça moi maintenant. Oui, il y a encore les trucs de l'étage que je pourrais prendre, mais je vois pas trop ce qu'il y a sur cet étage. Ah, ça c'est un vrai décor. Alors, on pourrait essayer un truc avec l'interrupteur, faire quelque chose dans le noir. Mais je peux pas me déplacer. Non, anyway, je peux pas me déplacer. Buddy. Buddy. Vendredi, viens, on réfléchit. Vite, mais vite, mais bien. Ça marche pas ça. Donc toi t'as ton truc. Moi j'ai mon bidule. On a la clé là-bas. Problème. How to comment to sort the clay of the bid of the truc, vu que tu veux pas sortir la hache de ça, je sais pas comment ça marche. Ah, this is annoying, man. Tente, j'essaye en vain. Bon, vas-y, si tu veux aussi, t'aimes bien prendre les UV. Tu vas être tout irradié à la fin. Ah,
Je sèche, les amis, je sèche. Je suis en train de tout mélanger mes peluches, après je saurais plus laquelle c'est quand quoi. Bon, c'est celle-là qu'on doit opérer. Où c'est qu'on va installer le patient? Je ne sais pas. Je sèche vraiment là. On a trouvé un truc, mais on n'arrive pas à ouvrir ce qu'il faut ouvrir. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre côté? Là, c'est. Faut pas y aller, ça sert à rien. C'est l'ascenseur. Pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui, non, 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 il fallait pas y aller. It's a trap. Bon, vendredi, garde l'ascenseur, je reviens. Ça peut servir, non? Pour ouvrir ta... Oh! Regarde-moi ce crochet magnifique. Une main, non. Un pied, non. Ce crochet, je le veux. I want it. I want it now. Et on dirait un vrai mort là-haut, t'as vu? Regarde. Non, regarde pas, t'as pas l'âge. Bon, on va ouvrir ces trucs. Ok. C'est pas une très bonne idée, mais je le fais quand même. Voilà, je suis caché. Ah, le problème, c'est que. Ils auraient prévu qu'on puisse y voir quelque chose, hein, s'il y avait quelque chose à faire dans ce. J'ai pas encore dit le mot morgue, c'est étrange. Alright, on a dit, elle est là. Viens avec moi vendredi. Fais-moi totalement confiance. Magnie, ça va se fermer. Nounours, incinérateur. Clé. On l'a. Alors je prendrais bien le bout de hache aussi, mais tu vas pas vouloir prendre le truc, toi. Hein. Si, tu le jetteras dans le feu si je jette le bon nounours. C'est lequel déjà? Celui qui est tout devant, non, c'est le monsieur lapin, je crois. Yes, Mr. Rabbit. Pousse-toi. Frag. Allez, monsieur lapin, on y va. Come on. Petit pas, petit pas, petit pas. Monsieur Rabbit, je suis un peu désolé, hein, tu vas passer un sale moment, tu vas avoir un petit peu chaud. Mais bon, tes collègues, c'est un peu pareil. Oui, c'est vrai, tes collègues, finalement, ils finissent dans un endroit similaire. Hein. Lapin, four, four, lapin. Vas-y. Plaisir. Tu touches pas la manette, hein, vendredi, surtout. Il est où le bout de hache? Il est où le bout de hache à Bibi? Non, ça c'est pas un bout de hache. Mais je vais le prendre quand même, hein, si on me laisse le prendre. Non, c'est pas fait pour. Bon, viens avec moi. On a trouvé la clé. On va monter tout là-haut. On va ouvrir cette porte à droite. On va trouver le premier fusible. Et on va peut-être pouvoir accéder à la salle de gauche au passage après. Si on est vraiment sage, quoi.
T'as vu comme c'est pesant le silence quand Monsieur K se tait? Ouais, je sais. Regarde-moi faire, hein, vendredi, surtout n'interviens pas, quoi, ce serait idiot. Tu comprends quand tu veux, toi, en fait, hein. Mais c'est l'usine de Ghost in the Shell. C'est là qu'ils les fabriquent. Ce truc attaché là-bas, c'est tout sauf rassurant. Je sens qu'il va falloir caler. Ou sauter, ou je sais pas, mais faire un truc. Ouais. Parce que pour l'instant, on me prévient. J'ai pas encore eu de choses dramatiques. Alien. Ah oui, j'ai bout de total parce que on l'avait vu venir ce truc et c'est ma manipulation qui a foiré. Non, se baisser, c'est ça. Courir, c'est ça. Vas-y, fais. C'est dégueulasse. Faudrait que je calcule mon coup avec ce qu'il y a après. Grimper après le grillage là-bas au fond, vous êtes sûr? Sûr, 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 sûr. Bon, je vais lui faire croire que je retourne là. Eh, je retourne là! Je retourne là, regarde. Je suis trop malin, moi. Elle m'a pas l'air trop décidé. Dès le Lascar. Pourvu que ça me suive pas. Oh putain. Oh putain, 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 putain. Là, ça va tout s'animer. Oui, c'est évident. Reviens pas à la main. Reviens pas. On ne t'aime pas trop par ici, par chez nous. Hop, 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 hop. Un endroit où je peux monter. Ouais. Oui, il y a un truc dans les tuyaux. Ça vous rappelle pas, Phil? Vous avez tous les gens qui sont dans la salle de contrôle principale. Et puis il y en a un courageux avec son lance-flamme qui va dans les tuyaux. Et on voit juste deux petits points. Bah, le gars avec son lance-flamme. Et puis. Et puis. L'étranger. Ah
Je sais pas si un passage où on y va. J'ai pas trop le choix. Somewhere over the rainbow. La na 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 na. Fallait pas l'énerver. Je vais ramasser ce truc, je le mets dans ma poche, je le garde pour plus tard. Non, c'est bon. Un fusible, hein. Quelle galère, les amis, pour trouver un fusible. Et je l'ai pas encore ramené, hein. Je voudrais pas spoiler, mais voilà. Parce que une main, c'est bien. Voilà, deux, c'est mieux. ça, c'est fracassé. Et puis on va se faire, comme d'habitude, une petite pause par là, puisque j'essaie de vous faire des sessions qui sont pas trop trop longues, qui dépassent pas trop la demi-heure. What to do, doudou? Ah bah je vais prendre mon marteau, je suis con. Il va me remettre une main? Non. Ce serait rigolo qu'il la fasse se trémousser comme un réflexe nerveux, là. Parce que ça marcherait vachement bien, du coup. Et ouais, donc on va achever cette session par ici, puis on se retrouvera pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Je vais passer le marteau si je peux. Non, mais j'y crois très fort. Non, ça marchera pas, ok. Forget. Pose le marteau. Où suis-je? C'est là que je vais me faire cavaler après encore, ça va être terrible. J'ai dit que j'arrêtais, hein. Ouais, mais on va quand même mettre le premier fusil. Ça va, toi? Ok, on va s'arrêter là. Il nous reste deux fusibles à trouver. Et on se retrouve semaine prochaine. Parce que je vois que mon ami Vendredi a ses pris de passion pour la fabrication de maquettes humaines. A bientôt, ciao. Tu me fais voir ce que t'as fait, là? Ah ouais, c'est pas mal ça. Hein? Mais moi j'aurais mis un... Pourquoi il y a le majeur qui est tendu?